Bonsoir à tous pour cette première de Dance to the Radio. Donc avec Monsieur Steven et moi-même. Salut. Donc du coup, ce qu'on vient d'entendre, c'était Octopulp, Don't Throw Your Shit at Your Friends. Donc du coup, c'est un one-man band grind math garage d'un certain JP, donc qui est français et coréen du Sud. Donc du coup, comme avec Steven, on avait eu la chance de les voir au Tapet Fest l'année dernière. Donc, la particularité, c'est qu'il a un masque de poulpe et que du coup, c'est très marrant à voir en concert. Et donc du coup, il a fait plusieurs tournées dans des pays asiatiques, dont notamment au Japon. Avec Close Legal. Alors, il a sorti sa démo en 2013. Et donc, apparemment, il y aurait bientôt un premier album, un vrai premier album. Donc, du coup, voilà, c'était Octopulp. Donc, je rappelle le titre, Don't Throw Your Shit at Your Friends. Donc, du coup, je vais passer la parole à Steven pour parler du morceau d'introduction. Ouais, alors l'émission s'appelle Dance to the Radio. Donc l'idée c'est d'introduire par un morceau de Joy Division qui a pour refrain le même nom finalement. Mais le morceau s'appelle Transmission, c'est ça l'arnaque. Et ce morceau-là, bon, comme on disait, en fait c'est un single quoi, c'est pas un morceau d'album en fait. Et on pensait que c'était sorti sur Unknown Pleasure, mais en fait non. Et ce serait plutôt sur Substance, c'est ça. Donc voilà. Donc après vous ferez vos vérifications en ligne, mais normalement c'est ça. Et par la suite, donc, moi je vais enchaîner avec un morceau de black metal de Leprous Vortex Sun. Alors, j'ai pas regardé en détail, mais apparemment, c'est un groupe plutôt partie est du monde, on va dire. Je crois que c'est Biélorusse ou un truc comme ça. Enfin, vraiment, le groupe, voilà, sorti un peu de nulle part. C'est leur premier album. C'est une sorte de black metal orthodoxe, mais assez dissonant, un peu à la Death Spell Omega, avec un côté plus madcore en fait, dans les riffs. Ça fait limite penser à Dinger Escape Plan des fois. Donc c'est assez étrange. Et bah voilà, hein, je vais vous laisser écouter. Là, le nom de l'album, je l'ai pas parce que de toute façon, c'est écrit en biélorusse, donc ça veut rien dire. Même le nom du groupe, au final, c'est en biélorusse. Là, ils l'ont traduit en anglais, mais voilà. Et par la suite, tu vas nous passer Stone Diplodocus, c'est ça? Je vais te laisser le présenter comme tu sais si bien le faire. Donc du coup, ouais, je vais vous parler de Stone Diplodocus avec leur morceau Zelive, donc qui est sorti sur leur premier album éponyme. Donc alors Stone Diplodocus, c'est Armel, Robin et Anthony, ils viennent tous de Caen. Donc vous l'aurez compris, Zelive, c'est un clin d'œil au film de John Carpenter. Donc Stone Diplodocus, ils sont formés en 2014 avec une première démo Weird Jamming Tape. Et du coup, leur album qui est sorti le 3 avril 2015. Et donc, leur premier album est sorti le 11 novembre 2016. Donc, c'est un mélange de crotrock, matrock, comme dirait Armel, porn, porn prog, reggae noise. Donc, ils ont été produits par Les Tourneurs, donc un squat à Caen. Donc. C'est vraiment un album qui est vraiment super bien, un rouleau compresseur à tube. Donc voilà, donc on va du coup, c'est le morceau de Steven, c'était. Leprous Vortex Sun, c'est le septième morceau du premier album qu'ils ont sorti là en 2016, en fin d'année, en toute fin d'année en plus, donc c'était encore une plus grosse surprise. Le morceau fait 11 minutes, donc accrochez-vous bien. Et voilà, bonne découverte, hein, c'est tout.
Alors du coup, on a pu écouter Les Prousses Vortexan et du coup Stone Diplodocus. Stone Diplodocus The Live. Donc il y a un truc important que j'ai oublié de dire pour Stone Diplodocus, c'est que c'était ce cher Manu qui faisait leur lumière à Caen. Et voilà, donc du coup, moi je vais vous passer un morceau après le morceau de Steven dont il va vous parler juste après moi. C'est un groupe de grosses pointures, parce que là j'ai parlé de trucs un peu underground, mais là c'est une grosse pointure, c'est Balls Rower. Et le morceau c'est Cenotaph du coup. Cenotaph. Comme le taf. Et donc du coup c'est un morceau tiré de leur album Warmaster qui est sorti en 91. Donc moi j'aime bien dire que Balls Rower en fait c'est une sorte de Death the Panzer, une sorte de death metal qui écrase tout sur son passage, vraiment hyper tubesque. Donc du coup ils sont vraiment inspirés par, pour les plus geeks d'entre vous, par une imagerie vers vraiment Warhammer 40 000. Et donc ils sont sur Erage. Enfin, ils sont plus, mais parce qu'ils n'existent plus. Mais ils étaient pendant la plus grosse partie de leur carrière sur Erage. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai découvert, parce que j'avais jamais écouté vraiment les débuts de Balls Rower. C'est qu'à leur début, c'était une espèce de thrash metal, vraiment punk hardcore, avec leur démo In Battle There Is No Law. Donc c'était vraiment un truc presque grind. Et donc, pour ceux qui connaissent un peu Balls Rower, ils se sont arrêtés en 2015 avec la mort de leur batteur Martin Kearns. Donc, comme vous avez pu le comprendre, ils venaient de la scène punk hardcore et ont dérivé vers la scène death metal. Donc, je vais passer la parole à Steven. Super, merci de préciser mon prénom, c'est très important, parce qu'on est très nombreux ici dans cette pièce. Donc oui, moi je vais passer un morceau d'un groupe que tu connais bien aussi et que tu préfères sûrement, voilà, dans tous les cas. Moi j'ai écouté un petit peu, j'ai écouté leur dernier album, ce groupe c'est Gert. L'album en question c'est Horrendosaurus, donc ça doit être genre le troisième ou quelque chose comme ça. Napalm. Horrendosaurus, donc c'est quoi? C'est genre ouais, le troisième album, un truc comme ça. C'est le troisième, je crois. Bref. Vous irez vérifier sur Bandcamp, on est sur internet après tout. Donc le morceau que je vais passer c'est Spice Dome, c'est le 8e de l'album, donc c'est pas loin de la fin, c'est un des meilleurs franchement. Il est vachement vénère je trouve, puis il est assez long mais... Oui, le morceau éponyme est très bon aussi. Donc Gert c'est du sludge et ils se définissent un peu comme un groupe blues aussi, enfin ils trollent un peu sur les genres quoi, mais voilà. C'est sludge stoner quoi, un peu stoner à la limite. Un peu hardcore ouais. Enfin bref, en tout cas c'est un groupe sympa à écouter, un groupe que j'ai découvert étrangement dans Terrorizer, un bon magazine anglophone si vous connaissez pas. Un peu trop métal extrême mais c'est le but aussi, mais bon, il y a quelques pépites aussi. Ah ils sont anglais justement, oui c'est ça. C'est vrai que Terrorizer met vachement l'accent, un peu comme les magazines français, ils mettent un peu trop l'accent sur les groupes nationaux quoi. Mais bon, ça permet de découvrir les groupes anglais qui sont un peu effacés par les groupes américains en général. Donc voilà, le morceau c'est Spice Doom, le groupe c'est Gert et c'est sur l'album Horrendosaurus. We'll be right back.
Alors, à l'instant, on a eu Bolshower sur l'album. T'as pas dit album, si? Si, c'était Warmaster. Warmaster. Avec le morceau Cénotaphe, mais bon, tout est marqué sur la playlist, oui. En ligne, en direct. En direct au live. Et le prochain morceau, c'est un morceau qui va un peu reposer les oreilles. C'est un morceau de Dark Synthwave. J'oserais pas dire Dark Wave. Mais voilà, espèce de techno Dark Synthwave qui du coup s'est fait connaître plutôt dans le coin là parce qu'ils ont joué récemment à Rennes. Je saurais pas dire si c'est un groupe rennais, j'ai pas, comme d'habitude j'ai pas préparé, mais vous allez voir, c'est sympathique, c'est assez sombre niveau ambiance. Je crois qu'ils se définissent, j'ai vu une interview sur Trax, en fait le site Trax qui est aussi un magazine d'ailleurs, ils se définissaient comme un groupe à la fois ambiant, techno et indus. Dans le son, c'est pas très indus selon moi, mais le côté ambiante, oui, on le ressent. Voilà. Le morceau, c'est Hunter. Non, l'épée, c'est Hunter 513. Donc en anglais, ça fait 513. Yeah. Et le morceau, c'est Thorn. Comme, un peu comme le groupe de Black, mais sans le S. Et le groupe, donc, c'est UVB76, donc UVB76. Et c'est une référence, ça aussi je l'ai lu dans l'interview Trax, c'est une référence apparemment à un système d'émissions un peu chelou, russe apparemment, pour le nucléaire ou je ne sais quoi. Enfin, comme d'habitude, je suis hyper précis, mais l'interview est très intéressante si vous voulez la trouver. Voilà, sur le net. Alors je passe la parole à Bubu. Merci. Alors du coup moi je vais vous parler aussi d'un truc radicalement différent de ce qu'on a pu passer avant. Donc moi je vais vous parler d'Usé et avec le morceau Amphétamine sorti sur Chien de la Casse en 2016 sur le label Born Bad. Donc du coup moi je définirais ça un peu comme de l'industriel bricolage. Donc ils ont un délire avec un truc Nuke. Donc Nuke, pour ceux qui connaissent pas un peu ce mot, c'est genre par exemple si vous connaissez Mad Max, en français on appelle ça des films post-apocalyptiques. Aux États-Unis on appelle ça des post-Nuke. Donc du coup oui, c'est par rapport au nucléaire, désastre nucléaire, etc. Et donc Usé, il est toujours d'ailleurs dans Edouard et il vient de Amiens. Donc pour ceux qui l'ont un peu suivi, en 2014 il s'est présenté pour être maire avec son parti sensible. Donc moi pour ma part je l'avais découvert à la Villette Sonic il y a 2 ans. Et donc sa première sortie c'était Marilou qui était sortie sur sur mon cul. Et ben voilà, c'est à peu près tout. Et donc du coup, bah, c'est Usé Amphétamine. Donc sur Chien de la Casse, sorti en 2016 sur Born Bad. We'll be right back.
l'instant, c'était Usé avec le morceau Amphétamine. Voilà. Donc moi, mon morceau par la suite qui va suivre, c'est très français. C'est un morceau d'Abominable Iron Sloth. Et comme d'habitude, je voulais préparer un peu mon truc, mais j'ai pas eu le temps. Donc l'idée, c'est que c'est un groupe de sludge, plutôt sludgecore américain, si mes souvenirs sont bons, avec un album sorti dans les années 2006, par là. La pochette est blanche et noire, assez caractéristique. Et le morceau, c'est Hats Made of Veal and That New Car Scent. Et l'album, il était éponyme. Voilà. Ça vient d'un album éponyme, ou comme on dirait aujourd'hui, parce que les gens ne sont plus illettrés, c'est homonyme, c'est ça ? Quand un album porte le nom du groupe. Bah non, à ce qui paraît, il ne faut plus dire ça. Enfin bon, bref. Il y a une loi grammaticale ou syntaxique qui veut ça maintenant. Ouais, ouais. Donc, voilà. C'est... on verra ça pour la prochaine fois. Donc, je te passe le micro pour que tu nous comptes le morceau suivant. Voilà. Je vais vous compter comme le fromage. Alors moi, je vais vous parler d'un truc radicalement différent. Je vais vous parler de TG Gondar et avec le morceau Cassé par la nuit. Donc c'est sorti sur l'album éponyme au titre du morceau que je viens de dire. Donc sur Indian End Record, sorti en 2015. Alors l'album est sorti sur cassette. Donc c'est le projet de Colombet, donc Colombet qui fait aussi partie de Pizza Noise Mafia. Donc Colombet chanson française dégénérée, et Pizza Noise Mafia dans électro assez psychédélique. Et donc pour moi, TG Gondar, en tout cas ce morceau-là, c'est 60% de l'album. Pour moi, c'est une espèce de chanson française aussi, un peu pareil, dégénérée, avec beaucoup de vocodeurs, donc qui peut faire penser vraiment à PNL. Donc PNL, si vous connaissez, c'est le plus grand ou le pire groupe du monde, ça dépend. Donc il fait partie de la grande Triple Alliance internationale de l'Est. Et donc en ce moment il habite à Bruxelles et il venait de Coulommiers. Donc si vous êtes un peu familier avec l'univers de Colombet, bah, c'est toujours le même avec TG Gondar. Donc c'est un univers à base de 8-6, d'amour brisé et de petits villages paumés à la Coulommiers ou Saint-Dizier. Donc voilà. Donc du coup le morceau c'est TG Gondar Cassé par la nuit, et le morceau de Steven c'était... C'était, ou ce sera plutôt, un morceau de The Abominable Iron Sloth sur l'album du même nom, sorti aux environs de 2006, comme je disais. Le morceau, c'est un truc à rallonge qui s'appelle voilà, Hats Made of Veal and That New Car Scent. C'est le premier morceau de l'album. Et on va sûrement conclure sur ça, je pense, que l'émission touche à sa fin. Touche à son sexe. Touche à son sexe, c'est ça. Enfin, on arrive à 10 morceaux, en gros, et on a faim, donc on va arrêter. Voilà, donc deux morceaux qui se suivent, et on vous dit au revoir. Au revoir. Allez, salut.